agriculteurs dans le village de mes grands-parents que je connaissais qui avaient cet ensemble-là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu à tout prix faire cet ensemble-là. Pas le plus facile parce que celui-là n'est pas réalisé, enfin, cet outil-là devant. C'est de l'artisanal, quoi, pas dans le commerce, qu'on va dire. Ce moire, il était dans le commerce, donc je l'ai acheté tel quel et après j'avais rajouté quelques trucs, des autocollants d'Angers. Et ensuite le tracteur qui est un peu plus recherché maintenant, c'est un 74-99. J'ai pris du polystyrène extrudé, j'ai pris de la colle à bois, des cure-dents, j'ai façonné avec un cutter toutes les formes que je voulais. Ça c'est du noisetier, des branches de noisetier qui sont fendues pour dire de faire des piquets de clôture. Et ensuite pour la terre, donc c'est collé à la colle à bois. J'ai aussi une petite vache ici ou un taureau. Puis du coup voilà, ça rend bien. Tu vois, ah bah oui, on pourra voir Bobé. Il est magnifique, je l'emporterai toujours en expo.